première règle de la survie, c'est de frapper entre les jambes. Mais la tête, c'est pas plus rapide? T'es vraiment trop gentille. Chut, c'est bon, on est arrivé. C'est quoi cette foule sur le pont? Les gens de la ville. On les évacue. Laisse-moi deviner. La morsure est ici. Bien vu. Et si la morsure est là, alors il y a... l'Inquisition. Voilà, t'as tout compris. Oh non. Tu le connaissais? Un voleur. J'ai travaillé avec lui. Il était bon. Alors c'est ça le châtiment des voleurs? La mort? Ouais, et je veux pas retrouver Arthur avec ce genre de collier. Viens, allons-y. Je t'ouvre ça, et je file m'occuper d'Arthur. D'accord, mais au fait, c'est où l'université? C'est le gros bâtiment à l'autre bout de la ville. Tu peux pas le rater. Est-ce que... tu penses qu'on se reverra? J'espère bien. Tu m'es redevable. Merde. Ça veut dire que t'as pas le droit de mourir. Je ferai de mon mieux. Voilà, allez, passe. Bonne chance. Toi aussi. Les gens de la ville. Ils savent qu'ils vont mourir s'ils restent ici, mais tu crois qu'ils s'en iraient d'eux-mêmes? Allez, viens. On doit faire partir les derniers. T'inquiète pas, bah, on a presque fini. La ville est à nous. On va pouvoir accélérer les opérations. Ces ordures. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? L'université. Cette lumière, j'aime pas ça. Bon, c'est vrai que c'est pas tout près, mais tu vas y arriver. Allez, Amicia. Hé, hey, toi, là-dedans! T'es un des derniers, alors sors de là, ou on vient te chercher! D'accord, nous arrivons! Foutu bourgeois. Vitalis, la loi martiale est instaurée et la ville sous contrôle de l'Inquisition. Toute personne encore présente dans ces lieux sera arrêtée et exécutée. La loi martiale? C'est incroyable. Pourquoi faire ça maintenant? Essayez de faucher les trucs avec ces rats dans les pattes. Quelqu'un s'en prend à nous. Allez, j'ai trouvé.
de papa. T'as vu ce qu'ils font aux gens? On doit partir, si l'Inquisition nous prend. Et au moins, je suis encore en vie. Allez, rentre là-dedans et reste-y sagement. Non, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est mon mari. C'était ton mari. Il est condamné. Fiche le camp. Pas toute seule. Je peux pas partir sans lui. La ferme. La loi martiale, tu connais? Tu veux crever avant lui? Je suis contagieux. Reste pas là. Écoute-le! Tire-toi! Maintenant! Oh mon Dieu! Ah, vous m'épuisez avec vos conneries! Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ils les ont tous exécutés. Pourquoi vous avez fait ça? C'était un bon garçon. Ton fils est ici parce qu'il a désobéi aux ordres. Il a eu peur, il s'est enfui. Il faut partir. Il est fermé. Mais je te fais une fleur. Allez, va prier pour ton fils. Et prie pour que l'Inquisition vous sorte de là. Qu'importe. Tout ça les en enfer. Drap là-dessous. Je passerai pas sans les distraire. Pardon. Allez, Alicia. Accroche-toi. Pense à Hugo. C'est pour lui que tu fais tout ça. C'est encore vous qui foutez le bordel, c'est ça? Rien alors. What?
pourquoi je... Oh. Non, regarde pas. Ne regarde pas. Fidèle à ma foi. Je dois être fidèle à ma foi. Oh, souviens-toi des écritures. Ad Vignem. Non, rien. Y a rien du tout. J'ai cru que j'y arriverais pas. Oh, j'oublierai jamais cette odeur. L'université. Tu vois? Allez, Amicia, continue comme ça. Le cimetière. Il est sur le chemin. J'ai vraiment pas envie de passer par là. Ça, ça vient de l'Inquisition. Ça doit pivoter. Efficace. Le grand inquisiteur ne fait pas les choses à moitié. Pas mal. Pas mal du tout. Allez, quoi ? Donne-moi au moins quelques pièces. Oh, non ! Ah, t'as bien quelque chose ? Un truc précieux ! On a tous un trésor. Allez, Amicia, fais quelque chose, allez ! C'est... Hé ! Hé, c'est quoi ? Ça t'apprendra. Une fenêtre. Parfait. Ne restons pas là. Maître, voici les pissenguis. Ah, voyons ça. Parfait. J'ai une question. On sait que ça vient des rats, mais à quoi ça sert ? Nous appelons cela Odorance. Oh. Oh. C'est un des nombreux effets de l'épisanguis lorsqu'on le mélange avec du soufre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais pourquoi on ne pourrait pas équiper nos troupes avec ça ? On pourrait... C'est bien trop précieux. Chaque cristal d'épisanguis doit être consacré au projet. Par ailleurs, avec ces cristaux, nous avons déjà rencontré plusieurs, comment pourrais-je dire, des accidents regrettables. Apportez ça au bastion.
Ce sera tout pour aujourd'hui. Des accidents regrettables. Imagine, tu t'en renverses sur les pieds. Tu finis ta patrouille cul de jatte. De l'épisanguis ? Qu'est-ce que c'est ? Je dois voir ça. Ils sont partis. Allez, c'est juste un cimetière. Sauver la vie. Il faut que j'en trouve plus. Souviens-toi, les faits ne durent pas longtemps. Je dois trouver quelque chose pour me hisser. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Doris ne les retiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer une fois pour toutes. La lanterne, vite! Réfléchis, Amicia, réfléchis. Tu peux attirer Sera où tu veux. Tu dois les coincer.
Dis-moi que tu roules encore. Vraiment très discret. Bien, que qu'elle a déplacé. Tu vois, tu t'en sors. Tu t'en sors bien même. Ils ont massacré tous les malades. Oh, les rats, ils ont lâché les rats. Aidez-moi. Je peux rien faire. Je suis désolée. C'est pas possible. Ils ont utilisé les rats contre les malades. Qu'est-ce que vous avez de si important à dire pour gueuler comme ça tout le temps? L'odoris. Je pourrais essayer. Une fois au bastion, ils vous donneront une bonne raison de crier, vous verrez. On a des armes. Ça a marché. Pourquoi? Parce que c'est trop tard pour vous. On appelle ça la clémence. Mais rassure-toi, tous les autres seront bientôt sauvés. Hey ! Arrêtez de les balancer dans l'eau ! Ils finissent tous de l'autre côté ! On peut plus patrouiller là-bas, tellement... Oh, tellement ça pue ! Ben, vous avez de la chance de sentir encore quelque chose ! Ce bruit... C'était quoi ? Ici. On se passera le mal les uns aux autres, jusqu'au grand inquisiteur. Et il restera plus personne. Mais ta gueule! T'as pas fini de chialer? Je veux plus t'entendre, pas un mot! Laisse tomber.
brûle dedans. Dites ce que je dois faire. Je sais pas. Boire. Oh non, ne buvez pas ça. C'est un cauchemar. Allez, courage. L'université ne doit plus être très loin. Le boucher qui a tué mon père travaille pour toi. Son sang est aussi sur tes mains. J'ai entendu quelque chose par là. Mais enfin, qu'est-ce qui se trame ici ? J'ai cru que j'allais cogner un de ces alchimistes. Du calme. Ils sont un peu arrogants, c'est sûr. Mais eux, au moins, ils savent lire. Ça leur donne pas le droit d'être cons. En tout cas, il y en a un qui disait que Vitalis va pas bien. On savait que ça allait arriver. Nous devrons prier pour lui. On savait que le grand inquisiteur était souffrant, mais...